j'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Diantre, quelle fumée! Du château, je l'ai déjà humé. Oh, monsieur le marquis, vous arrivez juste. Ils ont sorti le grand chaudron. 3 heures qu'il bouille. Y a-t-il quelqu'un de vous qui a vu la bête? Mystère, mais pour le prix, c'est tout vu. Ce ladre en veut Saint-Denis-l'Écuelle. Bon, pour le châtelain, il fera bien un crédit. Crénon, sale croquant! Vas-tu t'écarter de Rosine? Bonjour Charlotte, ce sera une bonne botte de paille pour Rosine et 2 gamelles de ragoût pour Mouet. Oh, et puis, je me sens l'appétit venir. Et il y a combien de temps que vous n'avez pas soupé, monsieur le marquis? Oh, ça, je ne m'en souviens guère. Ben, une semaine comme Mouet. Mais dis-moi, ça sent fort bon. Tu as bien dû mettre un beau chou. Oui, quelques épluchures. Mais il y a une odeur de bons gros oignons là-dedans. Tu ne me tromperas jamais. C'est vrai, mais c'est des plures. Et ça, Charlotte? Ça, c'est pour le goût. De l'eau, que je vous dis, que de l'eau, mais parfumée. Ah, monsieur le marquis, on vient faire ripaille. Parfaitement. Je voudrais 2 bonnes côtelettes. Oh, des côtelettes, je crois qu'il n'y en a pas. Comment je crois? Ça fait plus d'un an que je n'en ai point vu. Bon, eh bien, je prendrai un petit coquelet. Il n'y en a pas? Alors je me contenterai d'une omelette, mais pas n'importe laquelle. Vous mettrez 6 ou 7 œufs dedans. Avec des lardons, peut-être? Exactement, Charlotte. Des lardons. J'adore les lardons. Et puis on pourrait émincer quelques petits champignons, et puis on pourrait... Et puis des saucisses. Eh ben voilà, des saucisses. Tiens, pendant que tu y es, tu me donnes tout ça autour d'un bon gros chou. Ben non, il n'y a pas de chou, il n'y a pas de champignons, pas de lard, pas même un œuf. Pourquoi tu me regardes comme ça, Charlotte? Il n'y a que du cochon. Du bon gros cochon. Bien gras. Avec 10 belles saucisses. Mais t'es folle, Charlotte, lâche-moi. Enfin. Calmez-vous, Charlotte. Nous avons tous faim, vous savez. D'ailleurs, je m'apprêtais à partir pour Paris. J'irai à la cour et j'en parlerai au rouet dans ma supplique. Bonne idée. Je vais le voir, moi aussi, le rouet. Et je lui raconterai la misère de son peuple. Ouais, c'est ça. Fiche-moi le camp, vampire. Charlotte, tu es ma protégée. Un mot de plus sur votre ci-devant servante et je vous fais avaler votre chaudron avec l'aide de ma semelle. Thank you.
Monsieur Colbert, je veux que cette fête éblouisse l'Europe. Sire, pour cela, je crois que vous avez fait le bon choix. Monsieur de Molière nous surprendra comme à son habitude. Allons l'encourager. Et voulez-vous, Louise ? Lagrange, tu es Apollon. Tu te tiens tout en haut. Toi, Armande, tu représentes l'âge d'or, bien sûr. Je croyais que je devais être Diane sur la montagne avec toi. Tu ne peux pas être dans deux endroits en même temps. Sur la montagne, ce sera Madeleine. Lagrange, fais attention. Oh ! C'est dangereux. Rien ne va marcher, rien n'est prêt. Louise ! Eh, vous là-haut, taisez-vous. Vous ne voyez pas que c'est une catastrophe, mais que va dire le roi ? Vous avez toute ma confiance, Molière. Sire, votre visite nous honore. Je crois que vous avez suivi mes conseils. Cette fête sera donc sous le signe de l'amour et de la jeunesse. Et vous en serez le héros. J'espère que dans votre défilé, vous m'avez réservé une situation moins périlleuse que celle de votre Apollon. Sire, vous serez Roger le Mort, le héros de l'Arioste. J'ai hâte de passer ma cuirasse. Mais je vous connais, mademoiselle. Vous êtes la fille de la comtesse de Verville. En effet, mademoiselle de la Vallière. La petite Louise et Quentin sont très épris du théâtre. Ils ne se quittent plus. Oui, je m'en souviens. C'est donc une véritable histoire d'amour. Eh bien, ils auront leur place dans cette fête. Alors, maître, votre ouvrage est-il prêt ? Il ne reste qu'à le terminer. Et tiendra-t-il ses promesses en temps et en heure ? Il suffira de remonter le mécanisme 6 heures avant le moment voulu. C'est une mécanique extrêmement délicate et la poudre sera particulièrement puissante. Et le moindre choc ou même un simple éternuement suffirait à la faire exploser, cette méchante bombe. Et ne vous inquiétez pas, mon cher ami, je ne l'ai pas encore remontée. Cafard, tu as voulu me faire peur, hein ? Eh, monsieur Marchenoir, pardon, votre promesse ! On reparlera de ta libération plus tard, après la fête et l'explosion des beaux décors de Molière. Pitié, Marchenoir ! Je vais faire un beau paquet avec des rubans de toutes les couleurs. Mon Dieu, Charlotte, je n'avais point encore vu la belle écuyère que tu faisais. Allons, marquis, c'est pas le moment de batifoler. Je suis colère, oui. Je vais le gronder, le roué. Lui dire comment qu'il a oublié ses sujets. Mais enfin, Charlotte, moi... Je t'écoute pas, marquis. Ventre creux n'a pas d'oreille. Allez, marche! Non, Louise, je vous défends. Vous devez en avoir la surprise. Mais peut-être ne me reconnaîtrez-vous pas. Louis, je vous reconnaîtrai entre 100. Nous serons 500. Mais je consens à vous montrer mon chef. C'est un privilège. Comment me trouvez-vous ? Je suis impatiente de vous voir tout entier. Allez, allez, regagnez votre fauteuil. Vous serez loin de mes yeux, mais toujours aussi près de mon cœur. N'oubliez pas que cette fête est en votre honneur, chère Louise. Ah, monsieur de Molière, votre Guidon le Sauvage a une superbe cuirasse. Monsieur le duc de Saint-Aignan, nul autre que vous ne pouvait mieux incarner cet admirable et farouche guerrier. La main de l'artiste. Vous êtes Aquilan le Noir, monsieur le duc, et vous viendrez en troisième position dans le cortège, derrière le roi. Vous avez tout réglé au mieux. Espérons que la Providence sera avec nous. Le roi est avec vous, cela devrait suffire. Sire, votre personne éblouit quiconque l'examine. Eh bien, monsieur de Molière, vous n'êtes pas encore costumé ? J'y cours, sire.
taisez-vous. Nous venons voir le roué. On ne passe pas. Je suis le marquis de Boucabeille. Place. Oh, toi, un marquis? Alors moi, je suis le roi de France. Ah bon? C'est lui le roué? Oh, ben Dieu, qu'il est vilain. Mais elle se moque de nous. Allez, dégarpille la gueuse. Mais c'est Charlotte, l'ami de Quentin. Tiens, 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 voilà qui va peut-être nous aider dans notre plan. Laissez-la passer, je la connais. Monsieur Marchenoir, vous nous aidez à présent? Mais si c'est pour nous créer des embarras, je préfère me débrouiller toute seule avec mon marquis. Mais non, Charlotte, c'est aujourd'hui jour de fête. Et ton ami Molière est le grand organisateur de ces festivités. Mais alors, il y a donc Quentin et la petite Louise? Mais oui, si c'est pour eux que tu es venu, je vais t'introduire. Poussez-vous, soldat! Mais non, j'étais venu pour voir le roué. Le roi? Ah, eh bien, ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Guidon, le sauvage, seul contre 10 guerriers! Ben flambant. Ben oui, Charlotte, c'est lui, c'est le roi. Oh, ben très bien. Bonjour, le roué. Comment qu'il s'appelle déjà? Louis XIV. Tenez, Charlotte, allez lui offrir ce cadeau. Comme ça, il vous écoutera. Oh, ben très bien. Vous êtes sûr? Mais oui, allez. Devrait exploser dans 3 minutes. Louis, notre roué! Je vous amène un cadeau! Mais descendez, ne restez pas là! À vous, je vous cause pas, c'est le roué que je veux voir! Quelle femme! Une vraie reine! Ce n'est pas le roi, mais quel courage! Une bradamante! Je la marierai sur l'heure! Eh ben, et moi, j'ai besoin d'une femme, moi aussi! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Descendez! Le défilé va commencer! Louis, notre bon roué! Je vous amène un cadeau! Mais il ne faut pas que j'oublie que je suis venu pour vous gronder! Mais je ne suis pas le roi! Oh, ça, notre bon roué, c'est une bien belle fête! Je n'y avons jamais vu ça! Mais puisque je vous dis que je ne suis pas le roi, espèce de folle, je m'appelle Lagrange. Comment pas le roué? Oh, ça toutes mes confuses. Allez, cachez-vous sous le trône et ne bougez surtout pas. Vous allez nous faire verser. Et bon débat. La bombe, le chasseux, vite. Il faut remonter l'horloge. Voir le roi. Eh bien, c'est lui là-bas, sur le cheval. Oh. Toutes ces provisions! Tu vois, il salue sa mère, Anne d'Autriche. C'est gibier à profusion! Et à droite, il salue aussi la reine Marie-Thérèse. Oh. Ces pâtisseries, il y en a des montagnes! Allez, vite, cache-toi, qu'on ne te voit pas! Et c'est par ce magnifique défilé où tous les grands du royaume entouraient le roi que commencèrent des fêtes magnifiques qui éblouirent l'Europe tout entière et consacrèrent la monarchie absolue de Louis XIV. Molière y montra l'extraordinaire diversité de son génie. Jouant 5 rôles dans la comédie des fâcheux,
écrivant à la hâte la comédie-ballet La Princesse d'Élite sur la musique de Lully et réglant en maître d'œuvre un spectacle éblouissant. Véritable bouquet de cette féerie royale, les plaisirs de l'île enchantée. C'est une catastrophe. Où sont les machinistes? Comment vont-elles avancer, ces baleines sans machinistes? Allez chercher Vigarani. Je vais la cacher dans le ventre du dragon. Personne ne la verra. Très bonne idée, monsieur Marchenois. Monsieur de Molière, vous vous souvenez de Charlotte? Oh, monsieur de Molière, comme c'est bio ce que vous faites. Et ça donne de l'émotion, hein? J'en avions le frisson dans la moelle. Vous êtes aimable, Charlotte, mais ce n'est pas le moment. Nous sommes au bord du naufrage. Le roi attend. Oh, tous ces habits, ces belles perruques et toutes ces nourritures. C'est ça, voyez-vous, qui m'a le plus impressionnée. Mais que se passe-t-il, monsieur de Molière? Il se passe. Il se passe que rien ne va se passer. Nous n'avons plus de machiniste pour faire nager ces baleines. Oh, ben c'est pourtant pas des vrais, ces poissons-là. Mais personne ne peut les remplacer. Ça doit pourtant pas être si compliqué que ça. Mais si, je ne sais pas comment faire marcher ces machines. C'est très compliqué. Je sais qu'il y a des pédales. C'est tout. C'est l'œuvre de Vigarani. Moi, je vais vous tirer de là. Vous allez voir si elles ne nagent pas avec moi, ces flemmardes. Non, Charlotte. C'est fragile. Charlotte. Attendez-moi. Non, j'y arriverai bien toute seule. Je sorte, j'ai bien essayé, mais ça ne marche pas. Non, j'ai bien besoin de vous. À nous deux, on y arrivera, vous verrez. Alors, voyons. Mais on dirait l'orgue du curé. Bravo, Charlotte, ça a marché. Vienne que pourra. Allons, faites comme moi, monsieur Marchenoir. Allez, on monte tous dans les baleines. Framboise ou citron? Mais enfin, souriez, madame. Cette fête est pour vous. Marchenoir, et vous n'allez pas partir comme ça, hein? Un peu de galanterie, donc. Je vais pas travailler toute seule, oui. Il n'y aura qu'à lui demander son avis. Ben, c'est tout vu, c'est moi que Charlotte mariera. Charlotte! Elle ne m'entend pas, mais elle va m'entendre. Oh, ça, mais ça suffit de me donner des ordres. Je suis le chef de la police, il me semble. Charlotte, avec qui tu veux te marier, Pouillard ou moi? Dis-le-moi. Oh, ça, j'en ai point d'idée, peut-être pas avec monsieur Marchenoir. Qu'est-ce qu'il en dit? C'est le feu, c'est le signal, il faut qu'on aille se cacher.
C'est par ce feu d'artifice éblouissant qui ravit le roi et émerveilla la cour que prit fin la première fête que donna Louis XIV à Versailles. Molière, grâce à son génie d'homme de théâtre, avait définitivement conquis les faveurs du roi. Cacher ce saint que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. Qu'est-ce qui parle bien aux dames, celui-là? Tartuffe, acte 3, scène 4. Vous saurez la suite si la faveur du roi me le permet. Allons, Jean-Baptiste, ne crains plus rien maintenant. Tu es un homme comblé. C'est plutôt Charlotte qui est comblée avec ses deux gentils maris. Ah non, il y en aura qu'un. Ça, il n'y a que là que c'est écrit. Bonaventure va vous le dire. Et qu'est-ce que tu lis dans la main de Charlotte, Bonaventure? Eh bien, j'en vois un. J'en vois un autre, J'ai bien peur, Charlotte, que vous n'en ayez beaucoup. Votre premier mari sera un marquis. Le deuxième, un baron. Le troisième, un riche armateur. Et le quatrième, un prince turc. Entre-temps, vous aurez acquis une auberge à Versailles. Vous serez juste en face du château, qui n'en finit pas de grandir en merveille et en gloire, à l'image du roi que l'on appelle alors le roi soleil. Et moi, Bonaventure, pourrais-tu me dire quel est le mauvais sort qui m'attend? Pour vous, monsieur de Molière, ce sera la gloire éternelle des poètes, mais prenez garde, votre chemin ne sera pas sans embûches, à commencer par votre Tartuffe qui vous créera bien des hypocrisies. Heureusement, elles n'empêcheront jamais le public de rire à votre génie. Et la suite pour Charlotte? Eh bien, Charlotte prospère au fil des maris. Vous, Pouillard, vous êtes toujours cuisinier à l'auberge de l'horloge, fidèle au poste. Car vous savez que Charlotte secrètement vous aime. Et vous savez aussi que pour que votre amour ne meure point, il vous faut remonter sans cesse cette horloge et attendre votre heure. Enfin, elle arrive, Charlotte, démunie de mari mais riche à millions, succombe enfin au charme de son fidèle Pouillard. Serait-ce Pouillard qui, dans la joie de son mariage, a oublié de remonter l'horloge? T'oublieras jamais de la remonter, hein? Sinon, gare! Et nous, alors? Tu ne vois rien pour nous, Bonaventure? Oh, je crois bien que ces deux mains sont faites pour être toujours unies. C'est vrai, Bonaventure, nous nous marierons. Vous verrez, mademoiselle. J'accomplirai pour vous tant de prouesses que le roi sera bien obligé de m'anoblir. Cela fera un joli sujet pour une pièce de théâtre, n'est-ce pas, monsieur de Molière? Oui, Quentin. Mais cette pièce-là, elle t'appartient, je te la laisse écrire. Quant à moi, avec le brillant avenir que m'a prédit Bonaventure... J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les...
applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo.